Bonjour mes chers amis, comment allez-vous Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Le destin vous appartient. Et bien aujourd'hui je vous propose de voir un thème. Qu'est-ce qui m'attend pendant dix prochains jours On va voir en général quels seront les événements futurs, Et bien quelle sera l'ambiance de cette période. On va voir également les cartes de conseil. Alors, pour commencer, je vais voir votre signification, quelle personne est arrivée, euh, vous repassez un petit peu, dans quelle énergie euh, vous êtes. Eh bien, je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnalités, personnes qui passent dans votre vie. Eh bien, vous êtes quelqu'un très actif. Vous pouvez appartenir euh, au signe de feu. Eh bien, euh, vous avez beaucoup de projets dans votre vie, mais vous êtes quelqu'un très patient. Vous êtes en attente de résultats. Je pense que ça peut concerner euh, votre travail. Euh, vous êtes quelqu'un très motivé. Vous êtes leader euh, dans la vie et dans le travail. Donc les gens, ils vous suivent, vous leur donnez également la motivation, votre enthousiasme. Eh bien, vous avez des projets pour votre futur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Eh bien, il y a eu des, des grandes idées dans votre passé. Il y a un homme qui est présent également. Donc, il y a eu le secret qui était lié avec, à cet homme. Il y a eu des changements, peut-être quelque chose créé, secret que vous ne connaissez pas de lui. Il y a eu peut-être un conflit également euh, qui s'est passé, mais vous, vous êtes quelqu'un qui suit son intuition et euh, vous avez de toute façon, vous avez un résultat dans votre vie, peut-être dans votre travail. Vous vous basez sur ce résultat, vous avez quitté votre passé. Oui, je vois quand même qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas honnête. Et maintenant, vous ne regardez pas les situations de la même façon. Euh, vous, euh, vraiment, dans le futur, vous entamez euh, une nouvelle étape dans votre vie. Après certains, euh, certaines pensées, euh, vous voyez votre futur différemment. Vous avez beaucoup de tentations dans votre vie, et bien beaucoup d'opportunités, et même vous avez du mal à choisir. Beaucoup d'émotions dans votre vie. Il y a un autre homme qui est présent également, euh, quelqu'un qui est très intelligent, euh, qui peut appartenir au signe euh, d'air. Eh bien, je vois que même à côté de lui, vous avez le bonheur et l'amour. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui vous attend dans les dix prochains jours. Donc, nous avons regardé un petit peu votre passé. Eh bien, on va voir si cet homme, le roi des d'épée, va apparaître dans votre futur. Pensez un petit peu à vos projets, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Peut-être on va le voir si ça va se réaliser ou pas. Eh bien, qu'est-ce qui vous attend dans dix prochains jours Alors toujours à cette nouvelle étape qui commence dans votre vie, je pense que vous allez le continuer et vous êtes plus fort que vous le pensez. Vraiment suivez votre intuition et euh, il y a un rêve qui va se réaliser également dans les prochains jours. Eh bien, si vous avez justement par rapport à cette, à cette première homme que nous avons vue, euh, qui en fait était un petit peu pas trop honnête avec vous, si vous avez euh, eu envie d'une déception par rapport à ça, eh bien, ça va se changer. Et euh, il y a un autre homme qui arrive dans votre vie qui est très actif et motivé. Donc, avec lui, vous allez quitter le passé. Ça sera un petit peu difficile. Mais vous commencez aussi une, une nouvelle étape dans votre vie par rapport à ça. Eh bien, vous allez arriver d'avoir les nouvelles euh, émotions, sentiments. Après une destruction qui vous a de la vie, vous arrivez vers le bonheur, la prospérité, la famille heureuse. C'est magnifique. Eh bien, qu'est-ce qui vous attend encore euh, dans les dix prochains jours il y aura des décisions assez rapides. Vous, a, vous aurez beaucoup d'idées qui vont concerner euh, votre famille également, les sentiments, le bonheur. Il y a vraiment les grandes perspectives qui arrivent dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez certaines peurs, mais bien, vous ne devez pas avoir peur parce que c'est tout simplement dans votre tête. Donc, c'est vraiment dans votre tête parce qu'en réalité, euh, tout va bien. Tout va bien, on le voit. Eh bien, qu'est-ce qui vous attend encore? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, justement, après votre cœur brisé, la déception que vous avez eue par rapport à votre amour, après une petite attente, il y aura quelque chose de nouveau qui, euh, qui va se naître un petit peu. Et voilà, l'homme qui arrive dans votre vie, ce sera quelqu'un euh, romantique, il va arriver avec son amour, ça va se passer très rapidement et bien, euh, ça va bouleverser votre vie. Vous allez travailler sur votre relation, il y aura beaucoup de rencontres, vous allez vous connaître et vous arrivez dans le bonheur, c'est magnifique. Il y aura beaucoup de rendez-vous amoureux, hein, je pense. Hein. Beaucoup de compliments, c'est quelqu'un qui euh, sait se comporter avec la femme, la, la surprendre également. Il va vous entourer de euh, ses sentiments. C'est magnifique. Hein? Il aura beaucoup de rêves par rapport à votre futur. C'est magnifique. Je veux garder la carte de conseil. Eh bien, oui, vous devez trouver une harmonie. Dans votre vie, c'est magnifique, il y aura quand même les moments très positifs, euh, des, euh, des bonnes connaissances euh, que vous allez faire avec cet homme, donc vous allez bien communiquer ensemble. Et la carte des amoureux, c'est magnifique, regardez, la carte des amoureux, c'est l'amour qui vous attend. Eh bien, je vous souhaite, changer votre vie, prenez tout ce qu'il vous donne, soyez heureuse, parce que le destin vous appartient.